Bonjour mes petits adorateurs, comment allez-vous? Quel plaisir de te retrouver, toi Estelle, toi Guillaume, toi Maïra, toi Dianis, toi Josia, vous tous qui êtes là et qui nous regardez. Quelle joie et quel bonheur de vous retrouver, toi Serge, toi Taylor, et oui, toi Maud, toi Roxane, toi Nathalie, vous tous qui êtes là à nous regarder. Quel bonheur de vous retrouver. Et oui, moi, ça me met toujours en joie de venir et de prendre le temps de vous retrouver. Je suis tellement heureuse que je crois qu'on a oublié de se dire bonjour, n'est-ce pas? Eh bien, on se dit bonjour. Allez, lève-toi. Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici. Bonjour, bonjour, tu es là aussi. Bonjour, bonjour. Nous sommes tous ici. Bonjour, bonjour, tu es là aussi. On va chanter, louer et adorer Dieu qui nous a aimés. On va chanter, louer et adorer Dieu qui nous a sauvés. Dieu qui nous a sauvés. N'est-ce pas merveilleux de savoir que Dieu nous a sauvés? Et oui, mais dis-moi, est-ce que tu te souviens? Pourquoi est-ce que Dieu nous a sauvés? Il ne nous a pas sauvés pour rien. Il nous a sauvés pour nous emmener tout là-haut, dans le ciel avec lui. Mais pour aller au ciel, nous devons passer par une porte. Et la Bible nous dit que cette porte est quand même plutôt étroite. Elle n'est pas large, elle est étroite. Elle est étroite, mais elle a quelque chose de particulier. Comme toutes les portes, elle a deux côtés. Il y a l'intérieur et il y a l'extérieur. Mais dis-moi, tu veux te trouver de quel côté? Tu veux être à l'intérieur de la porte ou à l'extérieur de la porte? Eh bien moi, Tantine, je veux être à l'intérieur, bien sûr, être à l'intérieur avec Jésus, pouvoir le contempler et voir Jésus me dire « Viens ma petite Tantine, ça ce serait merveilleux » et que je puisse être avec toi qui est là à nous regarder aux pieds de Jésus et pouvoir l'entendre nous raconter toutes ces histoires. Ça ce serait le plus grand des bonheurs. Veux-tu être à l'intérieur? Ah, si tu veux être à l'intérieur, eh bien chante cette chanson avec moi. Le ciel n'a qu'une seule porte, mais elle est à ton côté. L'extérieur et l'intérieur, où veux-tu te trouver? Une porte seulement possède-tu la clé? Qu'emportes-tu à Jésus-Christ? Son cœur est-il lavé? Il n'y a qu'une seule porte, mais elle a deux côtés. L'extérieur et l'intérieur, où veux-tu te trouver? Une porte seulement possède-tu la clé? Appartiens-tu à Jésus-Christ? On te est-il lavé? Il y a très longtemps de cela, la Bible raconte l'histoire d'un jeune homme. Un jeune homme que Dieu aimait particulièrement. Il s'appelait Joseph. Joseph était un jeune garçon qui est né dans une grande famille. Et oui, il avait 11 frères et sœurs.
Voilà que Joseph, dans sa famille, il n'était pas le dernier des frères, mais il faisait partie des plus jeunes. Et bien un soir, Joseph s'endormit et il fit un rêve. Il fit un rêve bien étrange. Il rêva qu'il était dans les champs et que là, il y avait 12 gerbes de blé. Et voilà que 11 de ces gerbes de blé se sont inclinées et se sont prosternées devant la gerbe qui était sa gerbe de blé. Le lendemain, Joseph s'est empressé d'aller raconter à ses frères et à ses sœurs ce songe. Et tu sais ce qui se passa? Cela rendit les frères de Joseph terriblement jaloux. Et oui, ils étaient jaloux. Déjà qu'ils savaient que le père de Joseph avait une affection particulière pour Joseph. Et oui, le père de Joseph aimait Joseph d'une manière particulière. Un jour, il offrit même à Joseph une belle tunique multicolore en signe de son affection. Mais le père de Joseph, peut-être n'aurait-il pas dû faire cela, car ce geste d'affection mit les frères de Joseph dans une rage folle et la jalousie qu'ils avaient à l'encontre de leurs frères ne faisait qu'augmenter. Jour après jour, ils étaient de plus en plus jaloux de leurs frères et ils complotaient dans son dos. Mais cela ne s'arrête pas là. Voilà que Joseph, un autre soir, s'est endormi et il a fait un deuxième rêve. Dans ce rêve, un rêve bien étrange, ma foi, il vit le soleil et la lune qui se sont inclinés devant lui, les étoiles également. Joseph s'est réveillé et a trouvé ce rêve plutôt étrange. Mais voilà, il alla au devant de son père et lui raconta ce songe. Le père de Joseph regarda Joseph plutôt stupéfait et lui dit, mais Joseph, veux-tu que moi, ton père et ta mère, nous nous prosternions et t'adorons? Joseph, s'il te plaît, arrête tes bêtises un petit peu. Mais Joseph, autant il était aimé par son père, il était aimé de Dieu. Et c'est ce qui faisait toute la différence. Son père l'aimait énormément, mais Dieu avait un amour particulier pour Joseph. Dieu lui donnait constamment des cadeaux, et notamment un cadeau qu'on va découvrir un peu plus tard, le don d'expliquer les songes. Parce que Dieu avait un destin bien glorieux pour Joseph. Dieu voulait réaliser des choses si belles et si grandes avec Joseph. Mais encore fallait-il que Joseph accepte d'obéir à Dieu. Et oui, ça, c'était la clé de tout. Et dans nos prochaines histoires, mon petit adorateur, ensemble, on va découvrir si Joseph accepta de se soumettre à Dieu, d'obéir à Dieu et d'accepter la belle voie, le grand bonheur que Dieu lui avait réservé. On découvrira ça la prochaine fois. Voilà notre moment d'aller dans ce si beau livre, la Bible. J'espère que papa et maman t'ont acheté une Bible, hein? Dis-moi. Si ce n'est pas le cas, chut, je te dis un secret. Tu les embêtes tous les jours pour qu'ils t'achètent une Bible, d'accord? Chut, c'est notre secret. Eh bien, c'est le moment pour nous d'ouvrir la Bible. Appelle papa, appelle maman et tous ensemble, on va lire cette belle histoire de Joseph. C'est parti. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. Bible,
La Bible nous dit que Dieu nous aime. À travers l'histoire de Joseph, la Bible nous raconte que Dieu aimait Joseph, que Jésus aimait Joseph. Et à travers son histoire, on va découvrir que Dieu nous aime également. Eh bien, cette histoire, on la retrouve dans le livre de la Genèse. Ah, très beau livre de la Bible. C'est le premier. C'est dedans qu'on retrouve d'où on vient, d'où tu viens, d'où je viens, d'où papa et maman viennent. Le livre de la Genèse. Genèse 37, le chapitre 37. Et on va lire les versets 1 au verset 11. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tout, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères et à son père. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et les étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi et ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi ?» Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Qu'est-ce que l'on comprend ici? On comprend ici que Dieu aime Joseph, n'est-ce pas? Que le père de Joseph aime Joseph. Mais Dieu l'aime surtout parce que Joseph aimait Dieu. Et oui, c'est ce qui faisait toute la différence. Joseph était peut-être parmi les plus jeunes de ses frères et sœurs, mais il avait un comportement et une attitude qui étaient différentes de ceux que les autres faisaient. Et par là, Dieu portait sur lui un regard particulier. Et toi également, mon petit adorateur, Dieu peut porter sur toi. Il porte déjà sur toi un regard particulier. Il aimerait que tu sois un petit garçon, une petite fille, qui grandissent en sagesse et dans l'obéissance. Cela veut dire que il faut, comme on l'a déjà vu, que tu repousses le mal et que tu acceptes ce qui est bien. Et si tu demandes à Dieu cela, il saura te l'accorder comme il l'a accordé à Joseph et comme on le verra dans nos autres histoires. Est-ce que tu veux faire avec moi le verset à mémoriser ? Votre Père qui est dans les cieux donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Ça se trouve dans Matthieu 7, le verset 11. Reprends avec moi. Votre Père qui est dans les cieux donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Matthieu 7, le verset 11. Quel beau verset à mémoriser, n'est-ce pas? Qui nous rappelle que Dieu nous donne ce qu'on lui demande. Et comment est-ce qu'on fait pour demander à Dieu? Eh bien, c'est par la prière. Et je te propose de prier pour demander cela à Dieu. Prie avec moi. Viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Oui, viens. Oh Jésus, viens.
et pour toujours, oui, viens dans mon cœur, ô Jésus. Ô toi, notre Dieu Tout-Puissant, toi qui es le grand Je suis. Merci Seigneur parce que tu fais de nous tes enfants. Merci parce que aujourd'hui, tu nous rappelles que si nous te demandons, tu nous donneras. Tu nous rappelles aussi dans ta Bible et tu nous dis que frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Merci Seigneur de nous rappeler cela. Merci Seigneur de nous rendre dignes et intègres comme Joseph. Merci pour Jésus, ton Fils que tu nous as donné. Bénis chaque petit adorateur. Permets-lui de tourner son cœur vers toi. Nous te donnons, Seigneur, nos cœurs et nous te donnons ce que nous avons de meilleur à offrir. Merci, Seigneur, pour toutes ces choses. Daigne pardonner nos fautes. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Reste dans mon cœur, oui, reste dans mon cœur, ô Jésus, reste aujourd'hui et pour toujours, oui, reste dans mon Voilà les cloches qui sonnent. Et oui, un doux tintement, mais un tintement qui ne présage pas de mauvaises choses. Au contraire, un tintement qui dit qu'on doit s'arrêter. Et oui, parce que à toute bonne chose, il y a une fin, mais une fin pour revenir la semaine prochaine, bien entendu. Une autre semaine où on va encore découvrir plein de choses. N'hésite pas à écrire à ta tantine à son adresse jedécouvrelabible@uagf.org et reste connecté sur ta télé Espérance TV. Je crois qu'il y a encore plein de choses à découvrir sur Espérance TV. Il y a cette belle émission Dessine-moi la Bible. Et oui, avec Lionel, on apprend à faire de très beaux dessins que justement, tu m'enverras sur ma boîte email afin qu'on puisse partager avec les autres. Je compte sur toi et je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Je t'embrasse très fort. Je vous embrasse tous. See you later en lot de soleil, mes petits adorateurs. Ciao, ciao. Au revoir les copains, au revoir les copines. C'est l'heure de se séparer. On a beaucoup appris, on s'est bien amusé. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir les copains, au revoir les copines. C'est l'heure de se séparer. On a beaucoup appris, on s'est bien amusé. Au revoir, au revoir, au revoir. Thank you.